Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre. Bon, comme que vous pouvez voir ici, eh ben, j'ai finalement réussi à atteindre des niches avec Buzzer. Bon, ben aujourd'hui, je travaille pas ce matin parce que j'ai changé mes heures avec un de mes collègues de travail. Fait que je travaille ce soir au lieu de ce matin. Fait que c'est pour ça que je suis avec vous. Ce matin, vers 9h50. Puis comme que vous pouvez voir, ben Buzzer est rendu mon numéro 1 en ce moment. Mon record absolu. Après Little Man, au début. Là, c'est mon sixième personnage en Smash VIP. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la stabilité avec Buzzer. Dimanche passé, j'ai eu un peu de difficulté à suivre le game, mais après ça, ça a bien été. Puis je me suis maintenu à 5.2, entre 5.2 et 5.4. Puis hier, j'étais à 5.414. Puis j'ai réussi à augmenter jusqu'à 5.494 millions à peu près. 5.5, j'étais allé jusqu'à 5.5.14, puis après ça, ben j'ai eu deux défaites à peu près, dans mes 10 derniers matchs. Puis ensuite, une victoire en équipe m'a permis de me rendre en élite match, mais pas avec, puis, ouais, c'est ça. Puis je suis vraiment chanceux d'avoir pogné un très bon équipier, sur qui que je pouvais me fier pour gagner. Et le match qui m'a permis de me rendre en match VIP, c'était avec Item. Mais genre l'équipe avec l'équipe que j'avais, genre on était pratiquement sûr de pouvoir l'emporter ensemble. Et ça m'a permis de gagner 30 000 points d'un coup. Grâce à ce joueur-là. Bon, voyons voir mes statistiques de combat. Bon, j'ai fini en 9h15 au moment que j'ai décidé de continuer avec Buzzer, j'étais à 5.333 millions de points. Mais dans mes statistiques, ok, il indique que mon temps de jeu avec Buzzer est de 7h33 minutes avant de me rendre en Smash VIP. Mais moi je compte 9h15 parmi mon défi de me rendre en échelle avec Buzzer en moins de 36 heures. En incluant le démarrage du jeu plus mes pauses entre. Si on compte pas mes pauses entre, ben ma statistique de jeu que en jouant à Buzzer en ligne, ben s'élève à 7h33 minutes. Puis c'est avec mon nom Lucario. Bon, voyons voir maintenant. Bon, avec Buzzer, j'ai fait 444 KO. KO en moyenne par combat, ben, ça vient d'être que c'est en bas de 3. Ben, c'est presque 3, c'est 2,92, c'est quand même assez bon. N'oubliez pas que mes préférences, ok, c'est en équipe, fait que c'est normal que ma moyenne soit de 3 KO en moyenne par combat, parce que quand même, j'en fais pas mal de KO. J'ai contribué beaucoup à mes victoires en équipe. Ben, j'aide beaucoup. Bon, ok, KO par attaque smash, on en a 199. Attaque aérienne, 135. 43 en par attaque spéciale. Non, 40 avec Buzzer. Seulement 6 par effet météore. Oui, parmi ces effets météores-là, ben, il y en a peut-être deux genres que j'ai subi de KO parce que j'étais au-dessus du vide. Par projection, ben 5, c'est pas space, 5 par projection. Avec Buzzer. Donc par objet, c'est genre 9. Ah oui, par objet. Ok, j'ai réussi à faire des KO par objet, oui, mais ouais, c'est ça.
C'est bon, ok. Par objet. Par smash final. 16. Autre KO. Ben, le jardin est assez beau par autre. Seulement 10. Le nombre de chutes, 348. Autodestruction, aucun. Avec Buzzer. Et on peut même aller voir, regarde, il n'y en a aucun. Yoshi non plus, aucun. Attends, en ligne. On peut aussi être avec Captain Falcon, ok, demandez-vous pas pourquoi, ok. Demandez-vous pas pourquoi, ok, n'esquive pas rapport dans le vide si tu me fais chuter, tout simplement. Ça m'est arrivé au moins 3 fois, fait que genre, demandez-vous pas pourquoi. Juste chute avec Captain Falcon en autodestruction. Puis c'est rare, j'en subis des autodestructions. Avec Captain Falcon, ça a été une série de malchance, malheureuse, plusieurs fois. Okay, moyenne de chute par combat, c'est genre en moyenne 2 tout le temps. Pour un nombre de combats, 152 en ligne. Mais parmi ces combats-là, il y en a sûrement que j'ai joué avec des amis. Fait qu'il faut pas les compter. On a 152 au total de combats. Temps de jeu, 7h33 minutes, comme que je vous ai dit. Après 7h33 minutes, peut-être un petit peu moins, vu que j'ai joué aussi en ligne avec des amis, disons 7h. Ça me prend environ 7h pour moi en Smash VIP avec Buzzer. Ce qui est pas long. Avec Yoshi, ben on va dire 3h parce que j'ai quand même joué quand même pas mal en ligne, en jouant dans des combats d'arène, puis en jouant avec des amis. Puis à date, c'est mon Little Mac, c'est mon meilleur. Genre, j'ai été en Smash de faire avec. La première fois, ça doit être. Ça n'a pas pris de temps, peut-être 1 heure ou 2 heures, là, peut-être. 2 heures, ouais, 1 heure, 2 heures, là, pas plus. Donc, victoire en mode Smash. Regardez, 78. Puis le nombre de défaites. Il y en a 59. 53. 53. Plus 78, ça fait. 53. Ça fait 130. Donc il y a 21 matchs que j'ai joué avec Buzzer. Autre qu'en mode Smash. On va avoir mon taux de victoire pour les 10 derniers combats, ça va être 80% ici, avec Buzzer. Mon taux de victoire pour les 50 derniers combats, c'est la même chose que pour Ice, même chose pour Captain Falcon, 56%, ce qui est plutôt, je trouve ça plutôt surprenant à garder ça, ma moyenne est comme restée stable, puis pour le KO aussi c'est 56 aussi. J'ai au moins 4 personnages genre que j'étais à égalité pour mon taux de victoire des 50 derniers combats. Ça veut dire que ma moyenne en général pour en mode match est 56%. Ça peut inclure tout le kit, comme ça peut inclure sans item, avec item, ou seulement le final smash, ou seulement avec item, ou avec final smash avec item, ou bien, vous savez là. Hein? Ou aussi des parties à un joueur, des parties en multijoueur, smash à 3. Ça inclut le tout, là. Ça inclut le tout. Ça inclut le tout, 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 parce que vu que j'ai choisi comme préférence en équipe, ça veut pas dire nécessairement que genre, la salle que j'ai pognée va être toujours 4 joueurs. Quand c'est pas 4 joueurs, ça tombe en smash à 3. Si on est juste 2, ça tombe en duel. Il est en bonne position. Avec Buzzer. 85 fois en bonne position. Sur 100. Sur 131 matchs, c'est déjà quand même assez très. Moi, je trouve que c'est quand même très bon. C'est plus qu'à moitié. Donc, puis, le taux en bas de bonne position, avec voisin 80%. Puis, on retombe probablement à 56. Non, on tombe à 64 avec lui. Pour le taux de bonne position, avec ce qui est quand même pas mal, c'est la note de passage. C'est au moins plus que la note de passage, 64%. Les dégâts que j'ai infligés.
14 127, mais j'ai beaucoup subi de dégâts. 5 297. J'ai résisté quand même à certaines reprises au-dessus de 220%. C'est quand même très bon, là, quand même. Dégâts soignés, ça manque 20. Dégâts max, moi, c'est 289 que j'ai atteint comme gros total. Avec Bowser, j'étais dans le Super Mario Bros. 3. Mort subite. Bon. Mort subite, j'en ai remporté 4 d'affilée. Ça veut dire mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, puis mon cinquième, mais j'ai perdu l'autre, la dernière mort subite avant de me rendre en Elite Smash. Mais aussi, ça donnait pas bien parce que, genre, je jouais contre deux joueurs, genre, qui étaient pas très bons, mais très peureux aussi, fait que là, ça allait pas. J'étais comme deux clans, là, puis j'étais dans le. Puis, Pilot. Oh, ça s'appelle déjà comme nom. Pilot quelque chose, je m'en souviens plus du nom par cœur de cette arène-là. Mais en tout cas, j'étais sur l'avion, mais j'étais genre au-dessus de l'avion. Les deux autres étaient sur le côté, en dessous des ailes, entre les deux ailes. Fait que ça l'aidait pas non plus dans la mort subite. J'essaie de gagner contre eux. Fait que ça me donne 4 victoires. Avec lui. Ouais, 4 victoires de suite en mort subite avec Bowser. Là, que moi, je trouve que ça considère quand même pas mal bon. Puis après de ça, j'en ai mis un avec Link juste avant. Ça fait 5 de suite. 5 victoires de suite en mort subite, Seigneur. Je me trouve quand même assez bon pareil. D'avoir eu 5. Puis quand même un bon taux de victoire en mort subite avec Bowser. Tu sais, c'est au-delà de 50%. Je vous dirais aux alentours de 66-67 peut-être. Smash finaux. Moi c'est ça, c'est 67%, c'est vrai. Seigneur, c'est deux tiers. C'est vrai. 4 sur 6, on divise ça en 2, ça fait 2 tiers. C'est ça, oui. Smash finaux. Seulement 27. Taux d'utilisation. En pourcentage, ça donne pas. Ça donne 6,22%. Distance parcourue, ben, il y a 33 319. Distance de saut, 28 050. Distance de chute, c'est pas des statistiques trop importantes pour moi, ça. Distance détection subie, Seigneur, ok. Distance à la nage, ok. C'est seulement que 19 mètres, ok. Regardez, comme vous voyez, noyade, j'en ai aucun. Moi, le jour où il va y avoir une noyade, ok, ça va être transcrit là. Moi, je vois pas exprès pour me faire une noyade, non. Oublie ça. Puissance, Smash, Max en ligne. Regardez, comme vous voyez, c'est Bowser, là, maintenant. Mais là, c'est 5 560 ce que vous avez vu tantôt. Bon, ben, c'était mes statistiques avec Bowser. Pour me rendre jusqu'en Smash VIP avec lui. Genre, en Elite Smash. C'est ça, mes statistiques. Quand même de très bonnes statistiques, mais c'est toujours similaire avec Ike puis Captain Falcon plus tôt. Il y a voilà un mois ou une semaine. Le taux de victoire dans les 50 derniers de combat est de 56%. Fait que la moyenne est stable.